Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah en fait on va dire que c'est la même que la dernière fois. Sauf que je me suis dit j'aurais pu allumer le moteur et montrer exactement comment réagit le moteur. Je pense que je vais faire ça dans cette vidéo aujourd'hui. Donc cette vidéo va s'intituler je pense Dernier essai avant démontage. Parce que voilà, je ne sais pas encore si je fais de l'échange standard ou si je fais une rectification par un professionnel des culasses. Mais à mon avis, c'est ce qui va se passer. Après, j'avais envie de réessayer ce truc parce que je m'étais rendu compte qu'une bougie c'était en train de faire la malle. Une bougie n'était pas serrée sur les deux. Mais bon, j'ai beau quand je tourne à la malivelle, le défaut est encore là. Mais bon, en même temps, quand j'ai fait ce test, le moteur était froid. Donc, je peux comprendre le moteur froid que les soupapes soient pas étanches. Mais et encore, les soupapes, si c'est censé être étanche, même à froid. Donc, bon. Après, si je c'est pour ça que je vais faire une dernière fois ce test. Et en plus, mais cette fois, je vais du coup vous filmer. Donc, je vais faire chauffer le moteur un petit moment. Je vais pas utiliser l'appareil assez haut. Je vais essayer de garder le carburateur à son réglage actuel. Voilà. Et je tiens à préciser que si je démonte le moteur, je changerai autre chose que j'ai changé également à la 2 chevaux verte, mais que à l'époque je n'avais pas encore de tuto, je faisais pas encore de vidéo YouTube, donc j'ai pas pu vous filmer. Je changerai également ces cylindres piston parce que il m'en restait une paire toute neuve. De cylindres piston de 2 chevaux 602 8,5. Bon, par contre, ce qui me fait chier là, sur ce kit là, c'est que faut mettre la segmentation soi-même. Alors, je sais pas si il y a une méthode particulière pour les mettre à Protec France. S'il y en a qui connaissent, bah, dites-moi en commentaire si vous si c'est de la marque ou pas, ou si c'est de la merde. Enfin, bref. C'est ça, Protec. Donc voilà, c'est des cylindres en fait que j'avais acheté pour, mais que j'ai plus la 2 chevaux verte. C'est parce que en fait, au départ, la 2 chevaux verte, quand je lui avais fait, je vous explique, quand la moto a fini de passer. Donc je disais, j'avais acheté cette paire de cylindres piston parce que quand j'avais refait la cylindrée de la 2 chevaux verte. J'avais mis des pistons de compression de neuf parce que j'étais jeune et j'espérais que ça gagnait un petit peu de puissance en mettant des pistons de compression de neuf. Alors que d'origine, c'est du 8,5 sur les 2 chevaux 6. Les pistons de compression de neuf, c'est uniquement pour les Diane et Mary, Diane et Ami 8, pardon, qui ont la particularité d'avoir une prise d'air dans le ventilateur. Donc c'est uniquement pour les moteurs AM2 tout court. Ça c'est le. Bon, c'est pas vraiment le AM2A, mais c'est l'équivalent quoi. Et encore j'ai un doute parce que l'Acadiane c'est un AM2A. Et elle a aussi la prise d'air dans le ventilateur. Donc du coup là j'ai un doute, mais bon. Mais du coup voilà, cylindre compression de 8,5 pour. La 2 chevaux, j'avais l'intention de remettre ça pour essayer du coup plus tard d'avoir un moteur un peu plus économique à la 2 chevaux verte. Mais du coup, comme je m'en suis jamais servi, par contre, j'espère que. Par contre, j'ai vu que celui-là a été un petit peu abîmé en surface, un côté. Il est un petit peu rouillé, mais pas à l'intérieur, donc ça va encore. Mais bon, c'est pas grave. Je ferai le test quand même, sinon tant pis, je repasserai à autre chose. Surtout que on verra. Bon, je filmerai en vidéo vite fait les opérations à faire. Surtout qu'il n'y avait pas que ça que je voulais faire dessus. Mais bon. Allez, on va d'abord commencer par faire chauffer le moteur. Ouais, on a le jus. Allez, hop. Attendez, je mets le contact, j'ai même pas préparé le trépied. Ah, c'est malin. D'abord faire chauffer le moteur. Starter à fond, démarreur.
Bien, allez, hop. Ok, un instant, je vous prie. Maintenant, elle veut même plus tenir le ralenti. Eh ben, bravo. Ah, putain. Putain, elle a pétaradé un coup, vous l'avez peut-être pas entendu, mais elle a pétaradé un petit coup. Alors là, elle se fout de ma gueule. Là, elle se fout de ma gueule. Maintenant, elle tient. Ouais, ok, un petit trou d'air.
l'essayant avec un léger starter. D'accord, bon, même plus démarrer maintenant. Bon, ok, bon, elle veut pas se montrer. Bon, les culasses sont chaudes, donc je pense que c'est le bon moment pour tester la compression. Allez, tant pis, allez, on va couper le contact. Elle marchait encore moins que l'autre fois. Enfin, en même temps, l'autre fois, je l'avais laissé au ralenti pendant un quart d'heure. Bon, bah maintenant, je vais démonter les bougies et vérifier la compression. Faire attention, parce que maintenant, du coup, elle est chaude. J'avais remarqué tout à l'heure qu'elle n'était pas serrée, celle, ce côté. Comme quoi, il faut contrôler les bougies de temps en temps. Alors, bougie noire, donc trop riche. Beaucoup trop riche. Oui, bah ça, d'après l'appareil, me dit la même chose. Parce que normalement, un bon allumage, c'est marron. Mais là, c'est noir, donc beaucoup trop riche. Alors, où est l'appareil pour tester le... Il est là. J'ai pas réutilisé cet appareil depuis la dernière fois que j'ai fait la thèse de compression de la 2 chevaux. C'était en juillet-août 2020. Août ou septembre 2020, je sais plus, quand je suis revenu de vacances avec. Donc on met ça à la place d'une bougie de mémoire. Là, je pense que c'est pas la peine de serrer à fond. Voilà, on met ça, c'est à peu près le même embout qu'un compresseur, quoi. Ok, et faut accélérer un peu. Je vais essayer de vous placer la caméra de façon à ce que vous voyez le manuel. Je suis presque sûr qu'il va tomber là. Alors, je donne un petit coup d'accélérateur et j'actionne le démarreur. Nous avons un petit peu en dessous de 8,5, à peine en dessous. De pas grand chose, mais nous sommes à peine en dessous. Je vais essayer de vous montrer le résultat qu'elle a affiché en 2020 quand le moteur était encore bon. Alors, oula, c'est plus que prévu, c'est plus que la normale, normalement c'est 8,5 bar, et là c'est carrément 9,2 bar. D'accord, on va réessayer un coup. Donc ce cylindre est bon. Je vais faire un deuxième essai quand même. Alors là c'est pas mieux, ça m'affiche à peine 8. Attendez, est-ce que c'est pas le truc qui s'est dévissé, non ? Pourtant j'ai accéléré. Attends, je vais réessayer en accélérant. Bon, c'est tombé. Non, 8 tout court cette fois. Alors soit le moteur a déjà refroidi. Enfin, pour tout cas, ça n'a pas l'air, vu que je le sens, il est encore bouillant. L'échappement en tout cas. Ok, alors 8 ou 8,5 pour ce cylindre. Allez, c'est parti pour le test du deuxième cylindre. Alors, qu'est-ce qu'il dit celui-là ? Celui-là dit 9. Ah, celui-là dit un peu plus. Donc j'avais raison de soupçonner l'autre cylindre.
celui-là affiche 9. Ouais. On refait un essai. Un tout petit peu plus haut que 9 bar de 5, mais c'est pareil. Deuxième essai. C'est ça, 9 bar 5. Alors que l'autre affiche 8 ou 8,5. Elle a affiché 8,5 au premier coup et 8 au second coup. Voyons voir ce que dit maintenant. Toujours 9 pile poil, 9 barres. Donc voilà, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire de tester la compression. Maintenant c'est chose faite, mais il me semble que c'était beaucoup plus. Faudrait que je revoie la vidéo, mais de toute façon je vous rediffuserai les images de 2020 où je faisais ce test de compression déjà. Alors j'ai 8 barres à gauche et 9 barres à droite. Par contre, je sais plus la normale combien elle est. Parce que quand il parle de cylindre de 8,5, normalement 8,5, ça aurait été. Ça correspond à ce qui se faisait en 9, mais vu que c'est un chiffre un petit peu supérieur. Enfin bref. Mais bon, je pense qu'une bonne petite remise à 9 lui ferait pas de mal quand même à ce moteur. Et puis, au moins, ça fait faire des vidéos. Vu que ça fait un moment que j'en fais plus trop. Alors attendez, il faut que je range tous ces accessoires à cette affaire. Parce que je suppose qu'il y a divers embouts en fonction de divers types de moteurs. Voilà, donc le test de compression, c'est fait. Moteur chaud en plus. Hein. Vous avez vu, j'ai même pas triché, je l'ai fait moteur chaud. Bon, peut-être plus tiède que chaud vu qu'il n'a pas démarré longtemps, mais bon, vu les accélérations que je lui ai faites, je pense que là. Mais bon, déjà, je soupçonnais plus ce cylindre que l'autre, ça en tout cas c'était sûr. Juste, je voudrais réessayer la manivelle, s'il y a toujours du bruit au carbure. Ah merde, j'ai oublié, j'ai pas remis la bougie de l'autre côté. Quel con. Bah attendez. Du coup, ça le fait que sur un cylindre, mais c'est normal, j'ai pas remis la bougie. Donc du coup, ça peut pas compresser sans bougie. Ah, j'ai même pas regardé là. Ah, celle-là, vous voyez, elle est noire, mais pas. Si, elle est noire quand même. Allez, hop. Elle est moins noire que l'autre, mais elle est noire quand même. De toute façon, noire, ça veut simplement dire que la combustion était trop riche. En même temps, je viens de faire marcher le moteur. Est-ce que ça. Il y a de quoi faire riche à faire marcher le moteur au starter là pendant 2 secondes? Je sais pas. Alors maintenant, qu'est-ce que ça dit? Ouais, non, c'est pas normal.
Alors j'ouvre la boîte à air parce que j'ai un doute avec le reniflard quand même, que ce soit pas le reniflard qui fasse ce bruit. Putain, ça fait autant de bruit, même le reniflard fait du bruit. Ah oui, mais d'accord. Un coup c'est le carbu, un coup c'est le reniflard. C'est normal parce que un coup les pistons vont comprimer les pistons et un coup ils vont comprimer à l'intérieur du moteur. Donc c'est normal que je l'entende un peu reniflard. Ok. Parfait. Bon bah écoutez, hein, pour moi c'est clair. Hein. Ce moteur a besoin d'un bon petit coup de neuf. Donc ce sera pour prochainement, je ne sais pas encore quand je vais attaquer ça. Déjà, première étape, c'est démonter les culasses. Ça, c'est clair. Mais bon. En ce moment, je suis un peu disponible. Donc, mais le problème, c'est que je voulais pas aller trop vite sur ce moteur. Enfin, en même temps, que bah, pour être sûr de pas rouler... pour pas avoir une bonne excuse, parce que si je la finis trop vite, je vais avoir une bonne excuse pour la rouler, pour rouler avec quand il fera trop neigeux. Surtout que j'avais l'intention de lui faire un petit projet pour partir en Bretagne, un petit projet de petit aménagement, mais je vous expliquerai ça dans au nouvel an, je pense, quand je ferai une vidéo nouvelle sur toutes les voitures. Mais voilà, donc là, je sèche. J'ai filmé avec ça, donc j'espère que ce sera pas trop sombre. L'autre fois j'avais filmé avec mon portable, donc il y avait mieux de lumière. Allez, bon ben je vais arrêter aujourd'hui là-dessus. Ouais, on va essayer de faire progressivement. Prochaine étape, de toute façon, ça va être démontage des culasses. Donc il faudra redémonter alternateur, pipe, les récupérateurs de chauffage, enfin bref. Il y a un petit peu de quoi faire. Bon bah allez, donc si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de voir la suite, hein, allez, laissez un gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis et me dire si j'ai pas fait de conneries. Et voilà. Ah si, je voulais juste vous dire un truc. C'est que si je change les cylindres, je vais devoir repartir sur un rodage. Alors, ce qui va être intéressant, en plus, je sais pas si c'est une coïncidence ou non, c'est que le compteur que j'ai installé est retombé à zéro il n'y a pas si longtemps que ça. Ah si, 604 km depuis quand même. Enfin bref, donc il faudra que je fasse plus de 2604 km, voire 3000 de rodage. Ah, j'ai fait 604 depuis qu'il est retombé à zéro. Putain, mais j'ai roulé en fait. Surtout que, fait chier, je voulais le filmer, la retombée à zéro, je l'ai raté, je l'ai complètement raté. Je m'en suis rendu compte que 30 km plus loin. Enfin bref. Mais j'ai fait 604. En même temps, j'ai fait pas mal de tests de carburateur après. Alors, ouais, j'ai peut-être pas mal roulé. Surtout les simples corps, parce que j'en ai essayé 2-3. Mais bon. Au final, ça se trouve, ces carbus-là fonctionnaient peut-être, mais c'était des carbus qu'on m'a prêté, donc voilà. Et puis j'ai essayé celui-là qui est tout neuf, mais enfin non, celui-là encore ça allait, mais j'en avais reçu un qui avait un beau défaut de fabrication, mais bon. Bon allez, écoutez, je vais le répéter, je cède. Mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, merci, à plus.